Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information sur A30 Télévision. Ouvrons cette édition d'information par cette nouvelle, clarifier les mandats de la force régionale déployée dans la partie est de la République démocratique du Congo. Voilà l'une des raisons du voyage au Burundi du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui participe depuis ce samedi au sommet extraordinaire de l'EAC, la communauté de l'Afrique de l'Est. Au cours de ses assises à Bujumbura, le chef d'État vont procéder à l'évaluation de la feuille de route de Luanda qui exigeait notamment les retraits effectifs et définitifs des troupes du M23 des zones occupées de la République démocratique du Congo. Près de 30 ADF tués et une dizaine d'autres capturés en l'espace d'un mois à Mambasa et Urumu. C'est le bilan donné par le porte-parole de FRDC dans la province de l'Ituri. D'après le lieutenant Gilles Gongo, 16 armes de guerre ont été récupérées ainsi que 38 otages libérés. Le FRDC en Ituri sont résolument engagés et décidés de traquer le terroriste ADF et imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province. Le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant général Luboyan Kachoma Djouni, sa philosophie du commandement aux unités engagées au front sont de plus en plus plausibles sur l'axe routier, commandant Luna et commandant Mambasa. Le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole de FRDC en Ituri, Touri dresse le bilan des opérations menées contre les ADF, MTN et leurs supplétifs dans la période allant de décembre à janvier. Six de ces opérations, les forces armées ont libéré 83 personnes qui étaient sous l'emprise des ADF. Les forces armées ont neutralisé 28 éléments des ADF, MTN. De l'autre côté, 14 ADEF et leurs collaborateurs ont été capturés sur le champ de bataille. Donc une grande satisfaction par la population locale qui recommence à regagner leur village. Pour nous, le fait final recherché par le gouverneur militaire, lieutenant-général Luboyan Kachoma Djouni, qui est en même temps le commandant des opérations, le fait final recherché ici, c'était que la restauration de l'autorité de l'État et que la population vague librement à leurs occupations. Au nom du gouverneur militaire, nous appelons la population à faire confiance à son armée, à aiguiser la collaboration et le patriotisme pour mettre hors d'état de nuire tous les ennemis de la paix qui sont avec nous et qui utilisent nos fils et filles pour faire du mal à notre population. Dans la même veine, les forces armées ont permis aux habitants de Djalasiga, en chefferie de Zalourdjouganda, en territoire de Mahagi, de regagner leur milieu d'origine. Par ailleurs, le porte-parole de FRDC en Ituri, au nom du gouvernement militaire, appelle la population de se désolidariser des ennemis de la paix et de faire confiance aux forces régulières en vue de mettre hors d'état de nuire les groupes armés locaux et étrangers dont l'objectif est de défendre l'intégrité du territoire national et la protection de la population. De l'Ituri à Kinshasa, choisie comme marraine de la 6e promotion de l'école de renseignement militaire, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi plaide pour la présence féminine dans les commandements des différents services de sécurité. L'épouse du chef de l'État Félix Tshisekedi l'a dit lors de la cérémonie de remise de brevets de fin de formation le vendredi au centre supérieur militaire. Nous sommes dans la commune de Ngaliema. Reportage. Ces stagiaires qui avancent à pas sûrs dans l'amphithéâtre des corps d'armée Mobutu Sese Seko sont à quelques minutes d'un couronnement, celui sanctionnant la fin de leur formation. Des 150 militaires étaient inscrits au départ de cette 6e promotion de l'école de formation des renseignements assurée par les instructeurs français et congolais. 185 d'entre eux ont franchi avec succès la ligne d'arrivée. La clôture de cette session enrichit les forces armées de la République des nouveaux officiers militaires de renseignement en ces moments où le pays en a grandement besoin. Votre rôle consistera donc à dissiper les brouillards sur l'ennemi, à indiquant avec précision sa position, ses ressources, son volume et son intention. Le succès de chaque contact dépendra
en grande partie de votre capacité à infiltrer les dispositifs ennemis au bénéfice de la troupe. Une unité à même de répondre aux contraintes naturelles et physiologiques qui se présentent, ce qui réjouit Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame et marraine de cette promotion. Elle les a appelés à plus de professionnalisme afin de renforcer les opérations en cours pour vaincre l'ennemi de la RDC. Championne du genre, Denise Nyakeru salue la présence de 5 lauréates femmes avant de lancer un plaidoyer sur la promotion des compétences féminines dans l'armée et au front. En ces moments difficiles où notre pays fait face à une guerre injuste, nous imposée par le Rwanda, à cause de nos ressources naturelles, j'ai tenu à être présente aujourd'hui à cette cérémonie pour témoigner tout mon soutien à nos vaillants militaires qui consentent d'énormes sacrifices pour défendre l'intégrité du territoire national. En tant que femme congolaise, je me réjouis de la présence de 5 femmes parmi les 185 lauréats de cette promotion. Cependant, je me questionne en même temps sur le faible taux de représentativité dans cette session 2021-2022, soit 3%. Ce constat est presque général au sein de nos forces de sécurité. C'est l'occasion pour moi de plaider auprès des autorités militaires qu'elles assurent une présence féminine dans les commandements de différents services de sécurité et d'impliquer davantage les femmes dans les opérations dans les zones de conflit. Cette formation rentre dans le cadre du processus de la réforme de l'armée congolaise pour contribuer à la montée en puissance des FARDC telle que voulue par les commandants suprêmes, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une première depuis l'histoire de la RDC qu'une première dame parraine une promotion de cette école. Et comme vous le savez, le pape a quitté Kinshasa le vendredi matin pour Djouba au Sud-Soudan, dernière étape de son périple africain avant de s'envoler. Il a échangé avec les évêques de la Cinco et le président de la République à l'aéroport d'Ndjili. Pour son dernier jour de sa visite à Kinshasa, le pape François a échangé avec les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Dans ce mot, le Saint-Père a témoigné sa gratitude à l'Église catholique de la RDC. L'évêque de Rome dit comprendre la complicité du travail des évêques dans un pays où le peuple a faim et soif de la justice. Le pape François a invité les évêques à faire entendre leur voix sans faire de la politique. Mais attention, il ne s'agit pas d'une action politique. La prophétie chrétienne s'incarne dans les multiples actions politiques et sociales, mais telle n'est pas la tâche des évêques et des pasteurs en général. Elle est d'annoncer la parole pour éveiller les consciences, pour dénoncer le mal, pour réconforter ceux qui sont affligés et sans espérance. Après la rencontre avec les évêques au centre interdiocésain, le numéro 1 de l'Église catholique a pris la destination de l'aéroport d'Ndjili. Pour son départ, le pape a été accompagné du président de la République, Félix Tshisekedi. Direction Djouba. Au Soudan du Sud. Dans sa suite, le pape est accompagné du cardinal Fridolin Ambongo. Le Saint-Père aura fait 4 jours à Kinshasa, une visite à jamais dans l'histoire. Le pape quitte Kinshasa satisfait de son séjour, déclaration des autorités du pays qui se réjouissent du bon déroulement de la visite papale du côté de l'Église catholique. Les nonces apostoliques remercient la population pour l'accueil réservé au souverain pontife. Mais le pape lui-même est parti très satisfait de son voyage à RDC. Nous, on ne peut être que plus satisfait. Aucun mort, aucun blessé, plus de 2 millions de personnes mobilisées, autant de réunions sur le 4 jours. Tout était un séjour historique et mémorable. Nous, nous sommes déjà engagés dans la lutte contre la corruption. Et les messages du Saint-Père, nous les prenons comme une exhortation à faire davantage. Vous savez qu'on parle de la Cour de comptes, vous savez qu'on parle de l'IGF, c'est des structures qui combattent la corruption et nous, nous nous sommes sentis particulièrement réconfortés par les mots du Saint-Père qui nous poussent à faire davantage pour nos populations. Il faut noter que la visite du pape, c'est un événement unique à son genre parce que cette visite intervient
dans un contexte où le pays est agressé, comme vous le savez. Et donc, la visite du pape est d'abord un réconfort, mais nous avons aussi bénéficié de ça. Je voudrais remercier tous les Congolais. Remercier pour l'accueil, remercier pour la chaleur, remercier pour l'affection que vous avez tous, dans tout le pays, réservé au Saint-Père. Et le Saint-Père vous aime, il m'a dit, ils sont dans mon cœur, l'Église catholique les aime, ils sont dans notre cœur. L'Église catholique est avec vous, je suis venu à partager et à vous dire, je vous n'oublierai jamais. Je voudrais remercier tous les Congolais pour tout ce que vous avez fait, les autorités pour leur collaboration et toute l'Église qui a été un grand ensemble pour construire un avenir mieux pour tous. Dans un autre chapitre à présent, le président national de la dynamique, Maître Paul Dzunga, a lancé ce samedi 4 février l'opération Curage des caniveaux dans la commune des Bandalungwa. Cette opération vise à déboucher les collecteurs d'eau, question d'assainir l'environnement et contribuer à la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. C'est au quartier Lumumba, sur l'avenue Batetela, dans la commune de Bandalungwa, que Maître Paul Dzunga, accompagné des membres de sa dynamique, ont effectué les travaux d'écurage des caniveaux des eaux. Bêches, râteaux et autres matériels d'assainissement ont été apportés pour rendre des avenues propres et curer les caniveaux. Initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Sokola Caniveau, initiée par Maître Paul Dzunga, qui s'en va ainsi en guerre contre l'insalubrité. C'est une action que nous avons voulu mener au sein de la dynamique qu'on a dénommée curage de caniveaux. Vous savez, le fait de ne pas curer les caniveaux, c'est que ça entraîne les eaux stagnent et cela entraîne des maladies, des moustiques. Donc nous avons décidé, au nom de la dynamique, de commencer à mettre la propreté, l'hygiène devant nous. À travers cette initiative, Maître Paul Dzunga veut accompagner la vision du chef de l'État et les mots d'ordre du MLC. Le président national du MLC, Jean-Pierre Bemba, a l'habitude de dire que la politique ne sert à rien si elle ne peut pas servir son semblable. Donc nous disons, nous, qu'au niveau de la communauté, nous pouvons faire quelque chose déjà pour entretenir devant nous. Mais nous parlons de la vision du chef de l'État. C'est quoi la vision du chef de l'État? C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est nous prendre en charge et essayer d'assainir notre environnement. Lors de cette même opération, Maître Paul Dzunga a invité la population congolaise à se prendre en charge pour entretenir son milieu de vie. Santé, dans cette édition de formation, l'humanité célèbre le 4 février de chaque année, depuis déjà 23 ans, la Journée mondiale contre les cancers, initiative de l'Union internationale contre les cancers. Les buts de cette journée est la prise de conscience et l'utilité d'un dépistage précoce permettant d'arriver à une guérison. En cette année 2023, les thèmes retenus est combler les lacunes en matière des soins, unir nos voix et agir. Et toujours dans ces mêmes registres, quid du cancer? Quels sont les types de cancers qui existent et qu'en est-il de son mode de traitement? Les éléments de réponse dans cet élément de Meshack Webin. Avec un nombre estimé à plus de 34 000 cas de décès enregistrés en 2020 en RDC, le cancer demeure à ce jour l'une des principales causes de mortalité dans le monde. Selon les professionnels de santé, le cancer est une maladie où des cellules anormales se divisent de façon incontrôlée et détruisent les tissus du corps. L'idée générale, pour permettre à tout le monde de comprendre ce que signifie un cancer, ce sont des multiplications incontrôlées des cellules de mauvaise qualité et qui affectent d'autres organes. Il existe cependant plusieurs types de cancers, dont le plus fréquent chez l'être humain est les cancers du sang, les cancers du poumon, le cancer de la prostate et autres. Le cancer peut se développer dans chaque organe. Donc on peut avoir le cancer de l'œil, on peut avoir le cancer de la bouche, on peut avoir le cancer du sein, le cancer de prostate, le cancer de l'utérus. Donc chaque organe peut développer des cancers. Comment savoir que j'ai un cancer? Par exemple pour le sein, on dit aux femmes de se palper, s'auto-palper régulièrement. Et le jour où ils se voient avec une masse au niveau du sein,
il va directement consulter. Et quand la femme ira consulter, on va faire des examens qui vont permettre au médecin de lui dire qu'elle a un cancer ou pas. Bien qu'à la base de plusieurs décès, les cancers peuvent être soignés. Il y a des cancers que l'on traite facilement. Il y a des cancers qu'on traite difficilement. Il y a des cancers dont le traitement coûte très cher. Maintenant, ça dépend aussi du le stade à laquelle on a découvert que vous avez une maladie, vous avez le cancer. Si c'est au stade avancé, là, les traitements deviennent compliqués. Mais au début, il y a des traitements. Il y a des traitements, ça existe. Même ici ou ailleurs, ça, les traitements existent. Pour éviter les développements du cancer, le dépistage ou la consultation auprès des médecins est vivement conseillé. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé sur votre télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd. Au revoir.